Oh, Jean-Baptiste, c'est un garçon! Un homme sorti de la ferme basse s'élance au devant d'un rude montagnard qui s'approche avec sa charrette. Hé, un beau garçon encore! Plus beau que les autres! Les autres. Ils sont déjà 8 enfants chez les Champagnats. Il faudra encore moudre beaucoup de grains pour élever le dernier né. Mais le meunier ne manque ni de courage, ni de foi. Le lendemain, c'est la fête de l'Ascension. Sur le chemin qui mène de l'église de Marle au village du Roset, un groupe de paysans joyeux accompagne le meunier qui vient de faire baptiser son petit Marcelin. Nous sommes en 1789, à l'aube d'un monde nouveau. C'est malheureusement exact, mes amis. La constitution civile du clergé place les prêtres sous l'autorité de l'État. Ceux qui refusent de prêter serment vont être traqués, emprisonnés, tués peut-être. C'est l'abbé Aliraud, curé de Marle, qui parle avec quelques-uns de ses paroissiens en ce soir d'hiver 1792. Monsieur le curé, et si on vous arrête alors? L'église est en péril. Qu'importe mon propre sort? À quelque temps de là, le comité révolutionnaire se réunit à la mairie de Marle. Citoyen Champagnat? Oui? Le comité a décidé de te nommer commissaire. Tu seras le nouveau chef de la municipalité. C'est toi qui devras faire respecter l'ordre et encourager les patriotes dans le canton. Jean-Baptiste hésite un instant, puis... J'accepte. Grâce à son savoir-faire, le village traversera le temps de la terreur sans trop de dommages. Quand des prêtres traqués chercheront refuge dans les environs, Champagnat fermera les yeux et les sauvera. À peine âgé de 11 ans, le jeune Marcelin, qui a grandi dans une atmosphère de travail, de droiture et de piété, fait par faveur spéciale sa première communion. Il ne sait pas encore exactement ce que Dieu lui demandera, mais il se sent déjà prêt à tous les sacrifices. Maintenant, il est grand temps que ce garçon apprenne à lire. Ainsi en a décidé le père, car Marcelin a 12 ans passés. Ce premier contact avec l'école va orienter toute sa destinée. Le maître brutal frappe injustement devant lui un de ses camarades. Sa sensibilité délicate en est bouleversée. Je ne veux plus retourner à l'école. Le père et la mère, navrés, se concertent et décide de le garder auprès d'eux. Marcelin sera berger. Son père lui donne quelques agneaux. Ceux-là sont à toi, prends-en bien soin. Et quand ils seront grands, tu pourras les vendre. Plus tard, à la foire de Saint-Genest-Malifaux, Marcelin en tira 600 francs. 600 francs en pièces d'or qu'il garda soigneusement. Le concordat de 1801 ayant rétabli la liberté du culte, la nécessité de trouver de futurs prêtres s'imposait. Par ordre du cardinal Fesch, le recrutement de jeunes séminaristes s'organise. Monsieur le curé, voyez-vous quelqu'un parmi vos paroissiens qui soit susceptible d'entrer dans les ordres? C'est un professeur du séminaire de Lyon, l'abbé Duplay, qui interroge le curé de Marle. Je ne vois guère que chez les Champagnats. Ils ont 3 garçons, c'est une famille très chrétienne. Essayez. Un non catégorique est la réponse de Barthélemy l'aîné, et la même celle de Jean-Pierre.
reste Marcelin, qui timidement se cache derrière ses frères. L'abbé Duplay le prend à part. Et toi ? Le jeune homme balbutie, mais après un moment d'entretien, l'abbé, qui a discerné une âme d'élite, lui dit : Mon enfant, il faut vous faire prêtre. Dieu le veut. Cette parole se grave profondément dans le cœur de Marcelin. Il sera prêtre puisque Dieu le veut. Encore faut-il qu'il s'instruise, car il sait à peine lire. On décide donc de l'envoyer à Saint-Sauveur chez son beau-frère, maître d'école. Mais les études sont pénibles pour ce garçon de 15 ans, plus habitué à travailler au champ qu'à conjuguer des verbes. Au bout de quelques mois, l'instituteur n'ayant obtenu que de piètres résultats, Marcelin regagne la ferme. Entre-temps, le père est mort. Désormais, il n'a plus que sa mère pour le soutenir. Avec l'aide de Dieu, tout s'arrangera, mon fils. Cet échec n'est qu'une épreuve. On allait prier encore davantage. Malgré les rudes chemins des monts du Forez, Marcelin et sa mère n'hésitent pas à entreprendre les 40 kilomètres du pèlerinage de l'Alouvesque pour aller s'agenouiller sur le tombeau de Saint François Régis. Là, Marcelin retrouve la paix et l'espoir de devenir prêtre renaît en lui. J'entrerai au petit séminaire de Verrières. Et le trousseau ? J'ai conservé les 600 francs de la vente de mes moutons. Ils suffiront largement. Et Marie, émue, regarde avec attendrissement son fils préparer son bagage. À Verrières, malgré ses efforts, les progrès sont lents et difficiles. Monsieur Perrier, le supérieur, tente de le dissuader. Mon pauvre ami, vous ne pouvez pas continuer le latin dans ces conditions. Il serait plus sage de renoncer. Quand on a Dieu pour soi, quand on ne compte que sur lui, rien n'est impossible. À la rentrée, il trouve un appui et une aide précieuse en son camarade Jean-Louis Duplay, qui patiemment lui explique à nouveau les leçons du professeur. Enfin, le succès lui sourit. En une seule année, il assimile le programme de deux classes. Il a bientôt un autre ami, ancien berger comme lui. Je m'appelle Jean-Marie Vianney. J'ai bien du mal, moi aussi, à suivre les autres, mais j'ai foi en l'appel de Dieu. C'était le futur curé d'Ars. À eux viendra se joindre aussi Jean-Claude Collin, qui sera aux côtés de Marcelin à toutes les étapes difficiles de sa vie. Deux années ont passé. Pendant ses vacances à Marle, dans la ferme familiale, Marcelin, qui est devenu sous-diacre, ne travaille plus au champ. Il a installé dans sa petite chambre une table de bois blanc et révise ses cours. Souvent, il prie la Vierge de l'aider à réaliser sa vocation. Il a fait sienne la devise Tout à Jésus, par Marie, tout à Marie, pour Jésus. C'est dans cette chambre exiguë que commence son véritable apostolat. Il y fait le catéchisme aux enfants du voisinage, qui s'entassent tout joyeux pour l'écouter. Un jour, prenant une pomme, il leur explique « Mes enfants, la terre est ronde comme ce fruit. Si on pouvait percer la terre comme je perce cette pomme, on trouverait de l'autre côté des hommes qui ne connaissent pas Dieu. On appelle missionnaires les prêtres et les religieux qui quittent leur pays pour aller enseigner la religion à ces pauvres gens. » Un garçon de 7 ans, le petit Épal, écoute émerveillé. Il deviendra Monseigneur Épal,
missionnaire et martyr en Océanie. Napoléon revient de l'île d'Elbe et marche sur Paris. Des troubles révolutionnaires éclatent à travers le pays. L'abbé Champagnat, dans l'ignorance des événements, traverse Lyon, se rendant au séminaire. Soudain, un homme l'interpelle. Méfiez-vous, monsieur l'abbé, on a failli jeter un prêtre à la Saône. La garnison est installée au grand séminaire. Le bruit court qu'il y a des armes cachées. C'est exact. J'en possède une. La voici. Et il montre son bréviaire. C'est à cette époque que prend naissance, parmi les séminaristes amis de Marcellin, l'idée de fonder une société de Marie. On chercherait le salut des âmes et on travaillerait au moyen d'y parvenir. Il faut aussi prévoir des frères pour faire le catéchisme et donner quelques instructions aux enfants. C'est juste. Eh bien, tu te chargeras des frères, puisque c'est toi qui en as eu l'idée. Et Marcellin se réjouit à la pensée de cette mission. À quelque temps de là, Marcellin allait connaître la grande joie qui couronnerait tant d'années d'efforts. Le 22 juillet 1816, il est ordonné prêtre, en même temps que Jean-Claude Collin et Jean-Claude Courveil. Il a alors 27 ans. Le lendemain de l'ordination, le petit groupe des nouveaux prêtres monte à la chapelle de Fourvière. Avant de se séparer, ils désirent vouer de façon solennelle à la Vierge leur ministère et leur vie, et lui promettre de se consacrer corps et âme à la création de la Congrégation des Maristes. Quelques semaines plus tard, l'abbé Champagnat est nommé vicaire à Lavala, paroisse située sur les pentes du mont Pilat. L'ignorance y est totale, la pratique religieuse abandonnée. En apercevant le clocher du village, il tombe à genoux d'émotion. Que Dieu daigne bénir mon ministère et me donne la force d'aller jusqu'au bout de ma mission. Sa mission, elle est tout entière tournée vers l'enfance. Bientôt, ses catéchismes sont suivis avec assiduité, et pourtant, ils ont lieu à l'aube, avant la messe. Un jour, l'abbé découvre sous le porche, transi de froid, un groupe d'enfants blottis les uns contre les autres. Ils avaient pris le clair de lune pour le petit matin et ils attendaient là depuis plus d'une heure. En chaire, le dimanche, le nouveau vicaire sait se mettre à la portée de son auditoire. Il emploie des mots simples, accessibles à tous. Qui parle si bien? Peu à peu, ils réapprennent la prière, la charité, et reviennent à l'Eucharistie. À Lavala, paroisse de montagne, le climat est rude. Sur les chemins bloqués par la neige, les sentiers abrupts, le nouveau vicaire n'hésite pas à affronter la tourmente pour aller visiter quelques vieillards, soutenir quelques malades. Un jour, il se trouve au chevet d'un jeune homme mourant, complètement ignorant de la religion. Pendant 2 heures, il l'instruit des vérités les plus essentielles et le confesse. Quelques instants après, le garçon meurt dans ses bras. Une fois de plus, l'abbé souffre en pensant aux âmes qui se perdent.
l'urgence de l'œuvre qu'il mûrit depuis longtemps, fonder une congrégation de frères enseignants, lui apparaît plus évidente que jamais. Jean-Marie, voudrais-tu m'aider à instruire les enfants pauvres? Son interlocuteur, Jean-Marie Grandjean, est un ancien grenadier de la garde, revenu à la terre après l'épopée napoléonienne. Il était son élève depuis peu. Je serais heureux de vous aider, si j'en étais capable. Merci, mon ami. Courage. Dieu te bénira. Ce sera le premier frère. Bientôt, Jean-Baptiste Audra viendra se joindre à eux. Comment loger ses premiers compagnons? Il y a bien une masure proche de l'église, mais il faut l'acheter. Un ancien camarade du séminaire, l'abbé Courveil, leur vient en aide. On paye la bicoque 1600 francs. De leurs propres mains, l'abbé et ses jeunes compagnons la restaurent. Et le 2 janvier 1817, ils prennent possession de leur demeure. Au printemps, d'autres jeunes demandent à être admis dans le petit groupe. Pour vivre, ils travaillent à l'industrie locale, la fabrication des clous. Quand il le peut, l'abbé accourt auprès d'eux et tout en continuant d'aménager la maison, les instruit. Grâce à leurs efforts, ils font de rapides progrès et attendent avec impatience l'heure de servir. Les beaux jours revenus, les parents de Jean-Baptiste Audra, qui ont besoin de leur fils à la ferme, envoient leur aîné Jean-Claude le chercher. Vous venez donc reprendre votre frère? Oui, monsieur l'abbé. Mes parents m'ont ordonné de le ramener à la maison. Vous feriez mieux de leur demander l'autorisation de vous joindre à nous. Que ferez-vous de moi? Un bon religieux. Les parents, en chrétiens respectueux, s'inclinèrent. Parmi les nouvelles recrues, un enfant de 10 ans, Gabriel Riva, se révèle d'une piété et d'une intelligence exceptionnelles. L'abbé prend un soin particulier de son éducation. Plus tard, il sera son successeur à la direction de l'Institut. Pour initier ses frères à l'apostolat, l'abbé Champagnat les envoie faire le catéchisme dans les hameaux de la paroisse. Là, ils réunissent les enfants dans des locaux de fortune pour leur enseigner les rudiments. Le nombre des élèves ne cessant de s'accroître, il faut bientôt ouvrir 2 classes. Bien que la communauté soit pauvre, le père héberge pour quelques sous et bien souvent pour rien les élèves venant de trop loin, sans se soucier des critiques que soulèvent ses libéralités. J'ai toujours entendu dire que l'aumône n'appauvrit pas. Encouragés par l'exemple, quelques curés des environs viennent demander des frères à l'abbé Champagnat. Jean-Baptiste Audra, devenu frère Louis et un auxiliaire, sont envoyés à Marles, le village natal de Marcelin. On s'inquiète bien un peu de leur jeune âge, mais au bout d'un mois, les enfants sont complètement transformés, au grand étonnement du curé et des villageois. C'est que les jeunes frères faisaient la classe, non seulement en maître d'école, mais surtout en apôtre. À Saint-Sauveur, à Bourg-Argental et dans beaucoup d'autres communes des environs de la Vallée, des écoles s'ouvrent peu à peu. En 1820, plus de 20 postulants se présentent au noviciat. Une nouvelle construction s'impose. Mais la communauté est toujours aussi pauvre, et ce sont les frères et les novices qui, cette fois encore, baptisent de leurs mains la maison. Le frère Jean-Baptiste étant tombé malade à Bourg-Argental, le père et le frère Stanislas allèrent le voir. Au retour, ils sont pris dans la tourmente et s'égarent sur les pentes couvertes de neige du mont Pilat.
La nuit tombe. Je n'en peux plus. Prions. Prions, mon frère. Souvenez-vous, ô très miséricordieuse Vierge Marie, qu'aucun de ceux qui ont eu recours à votre protection imploré votre assistance. Peu après, s'étant remis en route, ils aperçoivent au loin une tremblante lumière. Ils sont sauvés. C'était la lanterne d'un paysan et la réponse de Marie à la prière confiante de ses enfants. Vers la fin de 1823, surgissent pour la jeune équipe de grandes épreuves. Plusieurs frères mal logés tombent malades. La tâche est au-dessus de leurs forces. Le père Champagnat va s'ouvrir de ses difficultés à l'archiprêtre de Saint-Chamond. Unissez-vous donc à une autre congrégation, celle des frères de la Croix, par exemple. Vous n'aurez plus de soucis. Mais le père veut sauver l'esprit de son œuvre et refuse ce conseil. Nombreux sont ceux qui le désapprouvent. On l'accuse d'être un entêté que l'orgueil seul conduit. Son curé lui-même n'hésite pas à le blâmer publiquement en pleine église. L'épreuve est dure. Malgré cette hostilité, le père ne se décourage pas, car il est persuadé qu'il fait la volonté de Dieu. Tout près du village, une chapelle est dédiée à Notre-Dame de Pitié. Il restaure l'oratoire et conjure Marie de prendre son œuvre sous sa protection. Plus que jamais, c'est près d'elle qu'il trouve consolation et soutien. Un an plus tard, Monseigneur de Pin, nommé administrateur du diocèse de Lyon, reconnaît l'utilité des frères du père Champagnat. Il l'encourage et lui promet sa protection. Je vous permets de donner un habit à vos frères et aussi de leur faire prononcer des vœux. La congrégation officieusement est née. Plusieurs fois, en passant au go sur le chemin de Saint-Chamond, le père avait pensé: une maison de noviciat serait bien ici. Le lieu est solitaire, propre aux études. Si Dieu nous bénit, nous pourrions nous y établir. Il y a bien longtemps, en effet, que la maison de la Valla est devenue trop petite. Mais où prendre l'argent nécessaire à la construction? Le terrain à lui seul coûte déjà 12 000 francs. Il l'achète. On le traite de fou. Il ne ralentit pas son effort pour autant. Pour limiter les dépenses, toute la communauté se met au travail, rivalise de zèle et de dévouement, transportant les pierres, tirant le sable, gâchant le mortier. Dieu comptait leurs pas. Il ne leur serait pas venu à l'idée de les ménager. Pour loger les frères et être plus près du chantier, le père loue sur la rive gauche du Gier une vieille masure. Ils logent dans un étroit grenier et réduisent leur nourriture au strict minimum. N'ayant pas trouvé où placer son lit, le père s'installe sur un balcon et y couche tout l'été. L'hiver venu, il se réfugie à l'écurie. Tous les matins, peu après le réveil de 4 heures, la communauté se réunit pour la messe en plein air, devant un autel improvisé dans le bois voisin. À plusieurs reprises, de graves accidents sont évités de justesse. Un ouvrier tombe d'un échafaudage, mais peut se raccrocher à une barre.
une grosse pierre manque d'écraser un jeune garçon. Sans nul doute, la Vierge protège ses enfants. Le père, maintenant déchargé du vicariat de la Valla, peut se consacrer exclusivement au service de sa communauté. Un an plus tard, en 1825, la maison est terminée. On l'appellera Notre-Dame de l'Ermitage. Pour le seconder, il fait appel à un de ses camarades du séminaire de Lyon, l'abbé Courveil. L'abbé Courveil, qui prétendait avoir eu le premier la pensée de fonder la société mariste, désirait le titre de supérieur et s'efforçait de gagner les frères à sa cause. Un vote fut décidé, qui par deux fois désigna le père Champagnat. Lui, qui ne s'en jugeait pas digne, dut accepter à la grande joie des frères. L'Institut compte alors 10 écoles. Après la Toussaint en 1825, le père décide de visiter tous ses établissements et de s'assurer par lui-même de leur état. Il devait revenir épuisé de cette inspection et le lendemain de Noël, s'aliter. Son état alarme bientôt son entourage. Il n'a que 36 ans. À cette nouvelle, l'inquiétude s'empare des créanciers. L'heure n'a jamais été aussi grave. Voilà déjà 3 fois que je me dérange. Je veux mes 2000 francs. Moi, je vais déposer une plainte et faire vendre le mobilier. Je saisirai la maison s'il le faut. Le frère Stanislas, qui s'est improvisé le garde-malade du père, avec un profond dévouement, prend alors une initiative désespérée. Il va trouver le curé de Saint-Chamond, dont il sait la bonté, et le supplie d'intervenir. Celui-ci se laisse toucher. Il avance 6000 francs, et se porte garant pour le reste. Le père fut long à se remettre et son éloignement des affaires n'arrangea pas la situation. À peine peut-il se tenir debout qu'appuyé sur le bras de frère Stanislas, il apparaît dans la salle du chapitre où l'abbé Courveil adresse des réprimandes. C'est le père. Oh, c'est notre bon père. L'abbé Courveil, désapprouvé, se retira à la trappe d'Aiguebelle. À cette époque, un autre événement particulièrement douloureux devait frapper le père. Son premier compagnon, Jean-Marie Grandjean, voulant vivre en ermite, s'imposait des pénitences extraordinaires qui ruinaient sa santé. Malgré les conseils pleins de sagesse du père Champagnat, il dut se séparer de la communauté et rentrer dans sa famille. En 1828, la congrégation des petits frères reçoit dans ses 16 écoles plus de 2000 enfants. Désormais, l'Institut est définitivement constitué, mais le père ne s'en attribue pas les mérites. C'est Marie qui a tout fait chez nous. En 1830, une nouvelle vague de fureur anti-religieuse déferle sur le pays. Un jour, une bande de révolutionnaires se dirige vers l'ermitage. Ils veulent jeter à bas la croix du clocher. Le père demeure calme. Allons chanter les vêpres et laissons faire les hommes. Ils ne nous peuvent aucun mal sans la permission de Dieu. Bientôt, la troupe, sans raison apparente, s'éloigna dans une autre direction. Cependant, le bruit court que des armes sont cachées à l'ermitage. Le procureur du roi, escorté de gendarmes, se présente pour une perquisition et visite toute la maison. Une pièce est enfermée à clé. Le père Champagnat s'arme d'une hache et défonce lui-même la porte. La chambre ne contient qu'un pauvre mobilier. «
Au milieu des difficultés, des maladies et des deuils, le père Champagnat poursuit inlassablement son œuvre d'évangélisation. Depuis longtemps, il songe aux missions et voudrait partir. Si j'étais moins âgé ou plus robuste, j'irais volontiers moissonner dans ces champs. Mais je ne m'en sens plus la force. En 1835, les territoires de Polynésie ayant été confiés par le Saint-Siège aux Maristes, il envoie 3 frères en Océanie. Parallèlement, la Société des Pères Maristes est devenue elle aussi réalité. En 1836, elle est définitivement reconnue par l'Église et son premier supérieur en est le père Jean-Claude Collin, un des 4 compagnons de la première heure. En janvier 1838, malgré l'altération de sa santé, le père Champagnat, qui a maintenant 49 ans, se rend à Paris pour demander personnellement au ministre de l'Instruction publique l'autorisation d'enseigner. Hélas, elle est refusée au nouvel institut. Il demande alors à l'abbé Mazelier de Saint-Paul-Trois-Châteaux, qui détient, lui, l'autorisation, d'unir ses frères aux siens. Nous avons des frères. Vous, vous avez une ordonnance. En nous entraidant, nous pouvons sauver la situation. L'accord se fit. 4 ans plus tard, en 1842, les 2 congrégations devaient fusionner complètement. Ma santé va plutôt mal que bien. Depuis quelque temps, les voyages me font peine. Le père ne se plaint jamais. Cependant, les pénibles démarches qu'il a dû accomplir ont achevé de ruiner sa santé, toujours précaire depuis sa maladie de 1825. Désormais, il a du mal à se tenir à cheval. Les frères qui le revoient après une longue absence sont effrayés de sa maigreur. Il faut donc prévoir un successeur au père Champagnat et élire un supérieur général pour diriger les frères. Le vote a lieu en 1839 et c'est un des premiers disciples, Gabriel Riva, devenu le frère François, qui est élu à la majorité. Il a 32 ans. À l'automne, bien que très faible, le père se rend à la côte Saint-André en Isère pour prêcher aux élèves la retraite qu'il leur avait promise. Tous ceux qui l'écoutent sont bouleversés et ils conserveront une impression profonde de ses exhortations. En décembre de la même année, il prend possession du château de Vauban que lui cède Monseigneur de Méricourt pour ouvrir un nouveau noviciat en Saône-et-Loire. Que cette belle demeure est différente de celle qui nous accueillit à Lavalas. Et il fait enlever du château les lustres et les dorures, tout ce qui blessait l'esprit de pauvreté. Au début du carême de 1840, ses jambes enflent de façon inquiétante. Le jeudi saint, il veut à toute force se rendre à Isieux pour ne pas décevoir les enfants qui l'attendent. On le hisse sur un cheval, un frère l'accompagne. Après la messe, il quitte les enfants sur ces mots. N'oubliez jamais que Jésus vous a beaucoup aimé. Le 3 mai, revêtu des ornements rouges, il célèbre la messe pour la dernière fois. C'est la fête de l'invention de la Sainte Croix. Le même soir, à 5 heures, on le transporte sur sa demande dans la salle de communauté. Après avoir reçu le sacrement des mourants, il s'adresse aux frères assemblés. Ce que je vous recommande, par-dessus tout, c'est de vous aimer les uns les autres. Marie est votre commune mère. Souvenez-vous que vous êtes frères et tous appelés
un même héritage. Quelques jours plus tard, il fait appeler frère François. Avant de mourir, je voudrais rédiger mon testament spirituel. Il recommande aux frères de pratiquer l'humilité et l'obéissance et de vouer à Marie une dévotion tendre et filiale. La lecture terminée, les frères se sont mis à genoux. Père, ne nous oubliez pas quand vous serez devant Dieu. Vous oubliez? Comment cela serait-il possible? Le 6 juin, vigile de la Pentecôte, vers le milieu de la nuit, il dit aux frères qui le veillaient... Votre lampe s'éteint? Mais... non, mon père. Ah. Alors c'est ma vie qui s'en va. Mon heure est venue. Dieu soit béni. 2 heures après, il s'endormait dans la paix du Seigneur. Le lundi de Pentecôte, une foule nombreuse de prêtres, de frères et de fidèles accompagne au cimetière de la communauté le vénéré père qui devait y reposer plus de 50 ans. Mais le rayonnement et la puissance auprès de Dieu de Marcellin Champagnat ne devaient pas tarder à se manifester. Bientôt sur sa tombe, les gens viennent prier, qui désirent obtenir une grâce par son intercession. En 1844, une malade, Louise Malore, franchit en cachette la clôture du cimetière et revient guérie. Puis c'est une fillette de 6 ans, cruellement blessée par une roue de tombereau, qui reprend vie à la seule invocation du Père. En 1889, la cause de béatification est introduite à Rome. 2 cas miraculeux sont retenus pour le procès. Celui de Madame Grondin aux États-Unis. Atteinte d'un cancer du pancréas, elle avait fait neuvaine sur neuvaine pour obtenir sa guérison, demandant au Père Champagnat d'intercéder pour elle auprès de la Sainte Vierge. Le mal guérit miraculeusement et la malade fut sauvée. Le 2e cas est celui d'un élève des frères de Madagascar, Jean-Aimé Ranaïvo, atteint de méningite cérébrospinale. Le 11 novembre 1941, l'état du malade était désespéré. Vers midi, le frère Joseph Bonus demande des prières à tous les enfants des écoles. Les sœurs, le curé et les paroissiens s'unissent aux frères et aux élèves pour prier le Père Champagnat. Et soudainement, vers 16h30, le mal disparaît définitivement. Le jour de la Pentecôte 1955, l'humble berger de la montagne, le petit pâtre de Marle, était proclamé bienheureux par le pape Pie XII en présence de 30 000 personnes. Les 2 miraculés assistaient à la cérémonie. Mais pour tous, son plus beau titre de gloire demeure l'extraordinaire, le miraculeux développement de son institut. Dès 1860, des écoles s'ouvraient partout à travers le monde. En Angleterre, en Belgique, en Espagne, en Italie, en Afrique du Sud, au Canada, aux États-Unis, en Océanie.
Aujourd'hui, les frères maristes exercent leur apostolat dans plus de 60 pays et donnent l'éducation à 400 000 élèves dans 300 diocèses. Le petit grain de Sénévé, semé à Lavala, est devenu un de ces grands arbres dont parle Jésus, qui abrite les oiseaux du ciel. C'est Marie qui a tout fait chez nous.